Je vous salue, amateur de sensations fortes. Je viens de recevoir ce colis. Si vous êtes d'accord, on va découvrir tous ensemble ce qu'il contient. Apparemment, c'est un pantin de ventriloque. Voyons voir. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas mes lèvres bouger. Vous savez pourquoi? Parce que je n'en ai pas. Bonjour à toi, l'artiste. Aimerais-tu que je te raconte une de mes fabuleuses histoires? Non, il faut froid dans le dos. Hein? Dans ce cas, tu as besoin de te rapprocher davantage du feu. On est entre nous, maintenant. Alors, je vais vous inviter à regarder une histoire édifiante. Elle vous révélera la nature très particulière du monde du showbiz, tout en vous montrant une façon de progresser jusqu'au sommet. Accrochez-vous, mes amis. Surtout si les métiers de la scène vous attirent. Il paraît que tu pars faire un safari en Afrique. Tu es devenu malade ou quoi? Un safari, c'est très dangereux. Tu risques de faire de mauvaises rencontres. J'aurai mon fusil avec moi. Tu vas descendre des lions? Oui, des lions pour la poubelle à missiles. Puisque c'est ça ton rayon. Ah, si tu continues à dévoiler ma vie privée, tu reçois mon poing sur la figure. Et d'abord, pourquoi tu vas en Afrique? Ne te complique pas la vie. Ici. Il est très doué, hein. Ça te plaît? Beaucoup. Je vais pas faire la différence entre les canards et les poules d'eau. Mais c'est pas facile. Un canard, ça fait coin, coin. C'est clair. Et une poule d'eau, elle glousse. Imagine les temps où il y a deux poules d'eau qui te regardent en gloussant. Qu'est-ce que tu fais? Je vais leur demander pourquoi elles se barrent. Au canard. Et pourquoi vous applaudissez? Vous vous prenez pour des otaries? Vous vous croyez au cirque, vous, le dodu au fond? Je vous avertis, vous avez intérêt à bien m'écouter, parce que sinon je vous fais tous revenir demain. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Ça fait un moment qu'on vous a servi. Vous avez à peine touché à vos assiettes. En revanche, les mouches ont l'air d'apprécier. Est-ce qu'on mangerait mal ici? Oh oui. Très mal. À mort, le chef. J'ai invité ma petite amie à dîner ici hier soir. Elle a trouvé de grosses mouches dans sa soupe. Oh, c'est horrible. Comment elle a réagi? Elle a hurlé, garçon. Enlevez-moi cet insecte. Oh, et alors? Eh ben, il m'a acheté dehors. Oh, madame, ça vous fait rire. C'est pas... Qu'est-ce qu'il est drôle, maman? Oui, une bonne demi-heure, et la dame vient de comprendre ma première blague. Lou, évite de tousser quand je dis des choses drôles. Ou bien je t'envoie à l'hôpital et je dis aux infirmières de te souffler dans les bronches. Si t'as peur, t'as mangé en face après le spectacle. Il paraît que leur lampe de veau est bonne. Je n'en doute pas, mais je leur laisse. Je ne mange jamais ce qui vient de la bouche d'un animal. Alors tu devrais... te faire un œuf à la coque? Bon, on n'a pas fini de faire le bain. Tu me tapes sur le système. Garde précieusement cet autographe, un jour il vaudra une fortune. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? La même chose que vous, je veux être ventriloque. Non, tu veux devenir médecin et cesse de dire des bêtises. Souviens-toi de ta si promesse. Si tu as besoin de conseils ou bien de tuyaux, viens me voir quand tu voudras. Hein? Merci, monsieur Ingels. C'est gentil, t'as vu maman? Oui, et maintenant on s'en va. Ça tient toujours, notre rendez-vous? Je connais un super endroit. Pas ce soir, je me sens pas très bien. Mais comment ça, tu ne te sens pas très bien? Il dit n'importe quoi, il n'a jamais été aussi en forme. Allez, haute. Et où est-ce que tu vas m'emmener? Dans notre bungalow privé, on te montrera mes estampes. Ce que tu es trop mignon. Et toi, tu n'es pas mal non plus. Billy, éteins la lumière et dors. Je vais éteindre, maman, dans 2 secondes. Pas dans 2 secondes, ni dans 10 minutes, tout de suite. J'ai regardé par la fenêtre de derrière, je les ai pas vus. Voilà, ça crame comme de la paille. Y a quelqu'un là-dedans? Maman, viens voir, dépêche-toi! Quinze ans plus tard. Eh ben, c'est pas trop tôt. J'avais oublié. Waouh!
Eh ben, j'espère que c'est là. 136. En principe, c'est là. Bonjour, monsieur Ingle, enchanté. Bonjour, monsieur, je ne pense pas... Non. Vous ne vous souvenez pas de moi, j'en suis sûr, mais je m'appelle Billy Coleman. On s'est rencontrés il y a longtemps. Vous n'avez rien à faire ici, c'est une propriété privée. Monsieur Ingles, vous ne vous souvenez sûrement pas de moi, mais je m'appelle Billy Goldman. J'en ai rien à faire, fichez le camp d'ici. J'ai fait 3 jours de voiture pour arriver jusqu'ici, je ne m'en irai pas avant qu'on ait parlé. Bonjour, je m'appelle Tim et j'ai très envie de vous parler. Oh, c'est pas possible. C'est pour rentrer. Eh, chauffe pas pour les poèmes, fermez la porte. Allez. Et dépêchez-vous de me dire ce que vous voulez, parce que j'ai vraiment pas de temps à perdre. Je m'appelle Billy Goldman, et vous m'aviez dit de venir vous voir. J'ai dit ça, moi. Oui. Il y a 15 ans de ça. À l'époque, j'avais 11 ans. Votre mémoire d'éléphant, ça vous sert à quelque chose? À me souvenir que j'ai assisté à votre dernier spectacle. Ça vous a plu? Oui. Vous avez été génial et absolument fabuleux. Bien répondu. Qui a écrit votre texte? Wow, Morty, il est là! Est-ce que je peux le voir? Attendez, ne touchez pas à ça. Laissez-le tranquille. Il est à la retraite, comme moi. Et d'abord, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous me racontiez un peu. Vous avez tellement de souvenirs. Une artiste de cabaret meurt dans un tragique incendie. Un célèbre ventriloque est blessé. Eh bien oui, on n'a pas que des bons souvenirs. Je ne sais même pas ce qui a provoqué l'incendie. Je ne sais qu'une chose. J'ai perdu tout ce que j'avais cette nuit-là. Tout, vous entendez? Mais vous ne pouviez pas de la main gauche? De la main gauche? Et puis quoi encore? Elle est tout juste bonne à ouvrir les portes et à tuer les mouches. C'est dans celle-ci que la magie se trouvait. Pourquoi vous êtes venu? Pour me narguer avec votre mémoire et me retourner le couteau dans la plaie. Expliquez-vous, bon sang! Demain, c'est la soirée des amateurs au club nautique. J'en ai rien à faire. Je voulais que mes débuts comme ventriloque se fassent sur la scène où vous avez fait vos adieux à votre public. Je m'étais dit que vous accepteriez peut-être de venir et qu'après, vous me feriez vos critiques et vous me donneriez des tuyaux. Je ne sors presque plus. Je comprends. Merci quand même. Excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps. Monsieur Ingles, depuis que je vous ai vu sur cette scène, vous êtes mon idole. C'est grâce à vous que j'ai voulu devenir ventriloque. J'ai envie de savoir si j'ai les qualités nécessaires. Et vous êtes le mieux placé pour me le dire. Attends! Redis-moi ton nom, t'es... Billy Goldman. Billy Goldman, tu oublies ton pantin. Billy. Je viendrai peut-être. Il viendra peut-être. Qu'en dis-tu, Morty? Quand les chevaux sont entraînés, douda, douda, je suis allé les observer, douda, douda, dé. Douda, 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 tu l'as dit, celle-là, elle ne chante pas, Elmio. Moi, je la trouve plutôt bien. Les seins sont bien. Les filles n'ont de succès que s'il y a du monde au balcon. C'est ça, le secret. Excusez-moi. Oh, merci. J'ai pas rêvé. Il est venu me voir. Tu entends, Tim? Ça y est, t'es prêt? Allez, c'est ton tour. Ouais. Allez, allez, visite. D'accord, j'y vais. Ma chaise! Sa chaise! Ils t'attendent, dépêche-toi, sinon ils vont râler, allez vite! Ouais, c'est bon. Mesdames et messieurs, la soirée des amateurs du club nautique va continuer! Avec un artiste inconnu aujourd'hui, et sûrement inconnu jusqu'à sa mort! Je rigolais! J'ai le plaisir de vous présenter la marionnette Tim, et son maître, c'est quoi ton nom déjà? Billy, je m'appelle Billy. Et Billy! Tim et Billy, qu'on applaudit bien fort!
Pas de panique, j'en ai pour une seconde. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et à toutes. On préfère la super nana que les super nénés. J'adore la statue de la liberté. Mais, à votre avis, elle étend quoi? Elle étend le bras. C'est bien, vous êtes des connaisseurs. Il est nul. Il est nul. Tu peux le faire, petit. Allez, vas-y. Maintenant, je vais être sérieux. On en a assez, nous. Mon partenaire et moi, on voudrait en profiter pour vous annoncer que dans le public ce soir, il y a quelqu'un d'extraordinaire. C'est un monsieur qui est et qui restera très probablement le plus grand, le plus doué ventriloque de la Terre. Tu veux bien offrir un verre à une fille assoiffée? Tu sais que tu es mignon. Tu ressembles à mon pépé. Allez, fais-toi plaisir aujourd'hui. C'est pas tous les jours fête. Ça va, laisse-moi tranquille. Bon, si tu changes d'avis, tu peux venir me voir. Ça te ravigotera. J'ai été très mauvais. Ça aurait pu être encore pire. C'est vrai, t'as pas été très bon. T'as pas de technique, pas de concentration et surtout pas de matériel. Tu ne sais pas comment travailler le public. Billy, je crois qu'il vaudrait mieux que tu changes de travail. Ouais, vous avez raison. Merci d'être venu me voir et ça valait pas le déplacement. Mais attends! Billy, je suis vraiment désolé. Désolé, tu peux me croire. Je sais ce que ça fait quand le rêve de toute ta vie disparaît comme neige au soleil. Merci. Je croyais qu'il devait quitter la ville dans un mois, tout au plus. Mais il est toujours là. Et quand le type nous a vu, il s'est sauvé. Oh, il l'a tué. Vous l'avez vu? Vous pouvez me le décrire? Oh, c'est difficile, on voyait pas clair. Mais c'est lui qui l'a tué, il a disparu. J'ai oublié de dire qu'il a essayé de mettre le feu à la voiture d'abord. Ça sent l'essence, que personne ne fume. Il a raison, on risque tous d'exploser. Monsieur Ingalls! Ah non, pas ça, non. Vous m'avez le camp. Rends-moi ça, j'en ai besoin, tu veux me rendre ça, espèce de crétin? Tu ne sais pas ce que tu viens faire. Vous n'êtes qu'un drogué. Oh, dire que je vous admirais, dire que je voulais vous ressembler. Ne fais pas mal, s'il te plaît. Vous avez tué cette femme ce soir. Non, ce n'est pas moi. Ne me mentez pas, vous l'avez tuée. Non. Vous empestez les cendres. Vous vouliez vous couvrir en faisant tout flamber, comme pour l'autre femme il y a 15 ans. Non, c'est moi, oui, qui ai mis le feu, mais je n'ai pas tué cette femme. Mais alors, qui les a tués? Qui les a tués? Morty. Qui? Morty. Mort.
Il hait les femmes. Il n'a jamais pu avoir une femme de façon normale. Eh bien, j'ai essayé de l'en empêcher. Mais personne ne pourrait raisonner Morty. Il est trop entêté. Et trop psychotique. Monsieur Ingalls, il y a des professionnels qui vous aideront. Des spécialistes qui vous soigneront. Qu'est-ce que tu insinues? Que je suis dingue? Que je suis schizophrène? Que j'entends des voix dans ma tête au milieu de la nuit? Il vaut mieux que tu partes maintenant, avant que Morty essaie de te faire du mal. Oh, Morty ne me fera aucun mal. Il est fait de bois et de chiffon, et de rien d'autre. Tu ne sais pas ce que tu dis. Voici la preuve. Morty, s'il te plaît, j'en ai assez. Il ne me fera pas de mal. Ça n'est qu'un pantin. Il peut rien faire, puisqu'il n'est pas vivant. Il a été fabriqué de toutes pièces. Il n'a pas de cervelle. Venez, monsieur Ingalls. Je vais vous montrer si vous ne me croyez pas. Venez. On l'a construit avec des morceaux de bois et du tissu. On l'a assemblé avec des fils de fer, des agrafes. Il n'a pas d'esprit. Et il n'a pas d'âme. Il n'a pas de tête. Oh, tu crois tout savoir, tout connaître, c'est ça, hein? Si tu veux tout savoir, eh bien, tu vas être servi. Jette un coup d'œil là-dedans. Vas-y, jette un coup d'œil. Regarde encore. Tu vois ce masque? Morty m'ensemble, il existe. Ce n'est pas un pantin. En fait, Morty, c'est mon frère. Oh, t'es content? Tu sais tout maintenant. Je suis Morty. On est nés comme ça. Je suppose qu'on aurait dû être jumeaux, mais la nature est parfois cruelle. Au lieu de s'exhiber dans les foires, on a décidé de faire carrière dans le showbiz. Oui, on a décidé de mettre nos têtes ensemble. C'était une blague, petit. Ah. Je trouve pas ça drôle. Pendant 15 ans, j'ai pu le droguer suffisamment pour le maintenir loin du monde, et surtout des femmes. Il a fallu que tu viennes et que tu fasses tourner partout. Oh, lâche-moi. À cause de toi, je n'ai plus de morphine. Il n'y avait qu'avec ça que je pouvais le calmer. Maintenant, je ne pourrai plus la... Arrêtez! Il a trop de volonté! Qu'est-ce que tu attends? T'as saut de parole! Découpe-le! Ah, je suis épris! Qu'est-ce que tu veux, mais tu l'es! Ne le croyez pas, mon contrôle! C'est vous qui l'avez! Ce n'est qu'un pantin! C'est moi qui suis la tête pensante! C'est grâce à moi qu'on a été montré là! J'ai tout organisé! J'ai écrit tous les sketchs! J'ai écrit tous ces textes! Il n'a aucune imagination! C'est moi qui suis drôle! C'est pire que l'enfer de dépendre de quelqu'un comme lui! Surtout avec toutes ces belles petites poupées qui se pavanent et se dandinent, alors que je pourrais rien en faire sans son aide! Allez, mais c'est que... Je t'aimais bien, Billy, mais je dois te dépecer, je dois te découper ton tout petit morceau! S'il vous plaît, vous pouvez le combattre si vous le voulez, vous le pouvez! Il va aller parler de nous à tout le monde, on nous capturera comme des bêtes, et on nous enfermera avec d'autres monstres! Coupe-lui la tête des capitaines, vas-y, tu l'as! Mais tu l'as! Sors de ma tête, aborton minable! Sors de ma tête, aborton! Sors! Rassurez-vous, monsieur, ça va aller. Aucune importance, Billy. Je suis libre. Je me sens envolé. Pas tout de suite, mes petits chéris. C'est moi qui ai enfin recouvré la liberté. Billy, dépêche-toi de l'enlever. Enlève-le, je t'en prie. Enlève-le vite. Monsieur Ingalls. Attends, ramassis de bidet. Je vais te mettre dans un bocal de formol quand je t'aurai. Où tu es? Montre-toi. Erreur de la nature. Oui, tout de même, hein, quand même. Je vais tellement t'arranger le portrait que même toi, tu te frappes.
me payer, espèce de tétard mal embouché. T'es un crétin pitoyable. Mais sans pitié pour les énergumènes comme toi, prends ça. Bâtard de malheur. Le batteur est nul. Et aveugle, sortez-le du terrain. Trouvez-lui un chien qui s'assemble sur somme. Pauvre mec, ma grand-mère, elle jouerait mieux que toi. Et un zéro, un charlot. Et maintenant, le batteur est prêt. À tout chien. Super. Non, non, pas le choix. Si. Je suis pillé. Tiens. Si. Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire un pâté assez spécial. Le principal ingrédient, c'est... Arrête! C'est pire que tout, ça. Attends. Si on faisait un marché... La ferme! T'as pas compris ce que j'ai dit, un marché? Sois pas cette nuit, ta torture assez durée, je ferai tout ce que tu voudras. Tout. Vraiment tout. Je te le jure. Vraiment tout? Jurer. Et maintenant, les grandes vedettes de Las Vegas, j'ai nommé Morty et Billy. Le spectacle commence. Soudain, il m'a dit, tu connais une meilleure façon de faire de l'astronomie? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? C'est simple, je lui ai montré mon télescope. Crois-moi, elle est allée au 7e ciel. Retiens-moi, je t'en prie, elle a tout ce qu'il faut, même la démarche à louper. Que c'est mignon, c'est bon, c'est charmant. C'est super canon. Morty, avec ton télescope, dis-moi si tu as découvert de nouveaux corps célestes cette nuit-là. Oublie le ciel, profite du paysage. Et poupée, qu'est-ce que tu fais après le spectacle? Contexte, s'il te plaît. Je préfère improviser. Cette beauté brune va m'inspirer. Premier avertissement. Je parie qu'elle peut faire revivre les morts. Et je te parle pas des vivants. On avait fait un pacte. Tu mérites un carton rouge, puisque les dames sont intouchables. Dépêche-toi, continue les sketchs. Autrement, je te ferai de nouveau goûter le plaisir du hachoir. Je crois que ça te sera... Ouais, et pourquoi il fait cette tête? Mais qu'est-ce que tu fais? Je renégocie mon contrat. Garde ton calme. Essaie de te gratter maintenant, pauvre clown. On est unis à la vie, à la mort, on dirait. Qu'en pensez-vous, mes amis? On doit remercier Billy. Elle vous a plu, son histoire? Certaines personnes sont vraiment prêtes à tout pour faire carrière dans le show business. Enfin, si quelqu'un vient me voir chez vous pour vous dire qu'il veut être ventriloque, dites-lui, je vous en prie, entrez. Vous pouvez vous asseoir.